أخلقوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتحوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاد والبرى. La vie du dernier prophète. Nous t'avons seulement envoyé, ô Muhammad, comme une miséricorde pour les mondes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour l'univers. Sa vie brille toujours comme un symbole de lumière et de direction pour tous les temps. Et pour toute l'humanité. Il était le dernier messager de Dieu, envoyé à l'humanité, le sceau des prophètes. Il appela à l'unicité divine, « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. » Il n'y a de Dieu que Dieu, Muhammad est son messager. Telle est la vie et le message de l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, est né dans le désert aride d'Arabie, environ 600 ans après Jésus, alayhi salam, dans la ville de la Mecque, située dans une profonde vallée, entourée par un rideau de montagnes dentelées, brunes et noires. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin. Son père était mort avant même sa naissance. Il a donc été élevé et sevré dans le désert, selon la coutume arabe de l'époque. À l'âge de 6 ans, sa mère, Amina, décéda à son tour. Il fut dès lors élevé par son grand-père, Abdelmuttalib, et plus tard, par son oncle paternel, Abu Talib. La Mecque était une ville importante et très connue, principalement parce qu'elle abritait la Kaaba, la première maison jamais construite pour l'humanité à la gloire du Dieu unique. Elle avait été construite environ 3000 ans plus tôt par le prophète Abraham avec l'aide de son fils Ismaël. Alayhi salam. C'était là, dans cette vallée déserte et aride, qu'Abraham, selon la volonté divine, avait laissé sa femme Hajar avec leur enfant Ismaël. Petit à petit, avec le temps, la Mecque devint une ville de pèlerinage et un centre culturel et commercial important, dans laquelle passaient de grandes caravanes
qui allait au nord vers la Syrie et au sud vers le Yémen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un descendant direct d'Abraham par Ismaël, appartenant à la noble et célèbre famille des Bani Hashim. En tant que berger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de garder, sous un soleil de plomb, les moutons et les chèvres aux environs des collines entourant la Mecque. Un entraînement familier, semble-t-il, pour tous ceux qui étaient destinés à porter la prophétie. Jeune homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était connu auprès de tous comme Al-Amin, celui sur qui l'on peut compter, grâce à son honnêteté et à son noble caractère. Son oncle l'aimait profondément et l'emmenait avec lui en Syrie lors de ses voyages d'affaires. Cela donna à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la possibilité d'apprendre à gagner sa vie en tant que commerçant. Il menait ses affaires avec succès. Bien qu'il fût relativement pauvre, son honnêteté et sa nature généreuse faisaient qu'il était aimé et qu'il avait la confiance de tous ceux qui le connaissaient. À cette époque vivait à la Mecque une des femmes les plus honorables. Elle s'appelait Khadija. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam travailla pour elle. Et lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans, il reçut de sa part une demande indirecte en mariage. Bien qu'elle fût son aînée et déjà deux fois veuve, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepta son offre. Ils se marièrent et vécurent heureux. Elle donna naissance à deux garçons et quatre filles. Malheureusement, les deux garçons moururent en bas âge. Ce fut, cependant, un mariage idéal et ils vécurent ensemble une vie de famille comblée de bonheur. La compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses sages conseils, était grandement recherchée par tous. Il est rapporté qu'une fois, alors que l'on était en train de réparer la Kaaba à cause de violentes inondations qui en avaient dévasté les murs, il y eut un désaccord entre les quatre principales tribus des Quraysh pour savoir laquelle parmi les quatre aurait l'honneur de replacer la pierre noire sacrée. Une dispute était sur le point d'éclater quand un des anciens proposa que la première personne qui entre soit notre juge. À leur grande joie, le premier à entrer fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « C'est Al-Amin, l'honnête !» s'écrièrent-ils. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant de la situation et il demanda qu'on lui apporte un morceau de tissu. Il plaça la pierre noire sur le vêtement et demanda aux membres de chaque tribu d'en tenir un coin, de façon à pouvoir soulever la pierre, et il la remit lui-même à sa place. Il sut donc, avec intelligence, mettre fin à cette querelle, et il évita, de surcroît, un risque de guerre. Les Arabes de l'époque avaient de grandes qualités. Ils étaient courageux, généreux et loyaux, et néanmoins ils se trouvaient souvent impliqués dans de petites disputes, se querellant sans cesse, prêts à répandre le sang à la moindre occasion. Ils avaient peu de respect pour le faible, l'orphelin et la veuve, et se livraient fréquemment à des beuveries et à des frivolités. À cause de l'important statut donné aux garçons, les pères avaient la détestable habitude d'enterrer vivantes les petites filles qu'ils ne voulaient pas à leur naissance. Au demeurant, à l'origine de ces mots, on trouve le polythéisme. Le polythéisme, le culte des idoles, était pratiqué à l'époque par la presque totalité de la population. La religion éternelle laissée en héritage par Abraham, alayhi salam, l'adoration du Dieu unique, avait, avec le temps, été enterrée et oubliée. Au fil des ans,
environ 360 idoles et statues représentant de faux dieux avaient été installées à l'intérieur et autour de la maison sacrée et étaient adorées comme des seigneurs et des intercesseurs. Même les fidèles de Moïse et de Jésus s'étaient écartés du monothéisme originel d'Abraham et ils s'étaient divisés en tribus et en sectes séparées. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une personnalité exceptionnelle. Il ne prit part à aucune des pratiques polythéistes. Il prit l'habitude, très tôt, de se retirer dans une grotte isolée dans les environs de la montagne appelée Hira, non loin de la Mecque, pour purifier son cœur et prier pour la recherche de la vérité. Avec le seul bruit du vent dans sa solitude, il contemplait les signes de l'univers. Ce fut là, pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que le Très-Haut appela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son service. Cette nuit-là, connue sous le nom de Laylatul Qadr, la nuit du décret, l'Esprit de vérité descendit avec le décret de Dieu et une lumière pour l'humanité, le Coran. Un chapitre nouveau pour le monde allait commencer. La lune blanche décroissante brillait dans le ciel quand, soudainement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam perçut une présence. Dans le silence de la nuit, une voix se fit entendre. Lis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bouleversé. Je ne sais pas lire, répondit-il. Lorsque la voix répéta l'ordre, c'était comme si la terre s'était mise à trembler. Lis. Je ne sais pas lire. Il se sentit paralysé de peur, incapable de bouger. « Lis !» répéta l'impressionnante voix. « Que dois-je lire ?» Puis, soudainement, il se sentit libéré. Le temps et l'espace étaient comme suspendus, les cieux et la terre réunis. Paix ! À l'instant où l'humanité se trouvait au seuil d'une aube nouvelle. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l'homme au moyen du qalam, de la plume, et lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Ce furent les cinq premiers merveilleux versets du glorieux Coran. La voix était celle de l'ange Gabriel, l'esprit de foi et de vérité, qui fut envoyé au dernier des prophètes de Dieu. La mission de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, venait de commencer. Le messager de Dieu, une bénédiction pour les mondes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait de recevoir les premiers mots de son Seigneur sur le mont Hira. Il dévala la montagne, le visage luisant de sueur, le cœur battant à tout rompre. Les versets du Coran faisaient encore écho en son âme. Quel avait été ce type de vision? Quels mots avaient donc été prononcés? Il courut vers Khadija en s'exclamant « Couvre-moi! Couvre-moi !»
elle le réconforta tendrement, tandis qu'il racontait ce qui venait de lui arriver. « Je crains qu'un mal ne m'atteigne, » dit-il. « Jamais, par Dieu, » lui répondit sa femme avec foi. « Dieu ne te voudra jamais de mal. Tu as de bonnes relations avec ta famille. Tu aides le pauvre et le nécessiteux. Tu accueilles tes invités généreusement et tu assistes les malheureux qui le méritent. » Quelques jours plus tard, Khadija l'emmena chez son cousin, un scribe, érudit nommé Waraqa, qui connaissait bien la Torah et l'Évangile. Après lui avoir décrit la fameuse nuit, le vieil homme, sans hésitation, affirma que cela avait vraiment dû être un rendez-vous avec l'ange Gabriel, celui-là même que Dieu avait envoyé à Moïse. « J'aurais tant souhaité être jeune pour vivre jusqu'au temps où ton peuple te repoussera, » lui dit le vieil homme. Il savait que le prophète, mentionné dans les Écritures, était arrivé. Ainsi commença la mission du dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui allait désormais influencer le monde entier, annonçant un nouvel âge dans l'histoire de la conscience et du progrès humain. Ainsi naquit l'islam. La première à croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut sa femme, Khadija, suivie très rapidement par le cousin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali, fils de Abu Talib, qui vivait avec eux. Certains s'opposaient violemment à admettre la mission de Muhammad, mais d'autres ouvraient grand leur cœur et acceptaient l'appel. À l'instar des proches amis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, son serviteur Zayd, et tant d'autres encore. Après un certain temps, tandis que la révélation des versets coraniques se poursuivait, il fut demandé au prophète de délivrer publiquement le message de l'islam et de réciter les versets qui lui avaient été révélés. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le tout miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, le maître du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta au sommet de Safa, un petit mont proche de la maison sacrée, et parla à son peuple, les gens de Quraysh. Tandis qu'ils se rassemblaient autour de lui, ils lui demandèrent quelle en était la raison. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit « Dites-moi, ô gens de la Mecque, si je vous disais que je voyais une armée se diriger contre nous,
de l'autre côté de la colline. Me croiriez-vous ? Certainement, répondirent-ils tous, car nous te faisons confiance, tu ne mens jamais. Alors, poursuivit Mohammed, sachez que je suis un avertisseur et que je vous annonce un terrible châtiment. Dieu m'a demandé de vous avertir, vous qui m'êtes proches, et je ne peux rien vous garantir de bon sur la terre, ni dans les cieux. En entendant cela, la foule devint muette de stupeur. Comme il restait immobile sous un soleil de plomb, Abu Lahab, l'oncle du prophète, s'écria soudain « Puisses-tu périr ?» Ils tournèrent tous leur dos et se dispersèrent, laissant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seul. Les gens de la Mecque entendirent ces paroles nouvelles, les appelant à se soumettre à Dieu, à entrer dans l'islam. Mais les divisions apparurent bientôt. Beaucoup rejetèrent l'aveuglante vérité. Après de nombreuses années de reconnaissance de sa gentillesse et de sa piété, ils commencèrent à l'insulter, à le ridiculiser et même à le traiter de fou. Malgré cela, jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne répondit à l'insulte par l'insulte. Il avait l'habitude de dire « Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier doit être bon avec ses invités. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier doit honorer son voisin. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier doit dire le bien ou se taire. » Rien ne l'arrêtait. Il continuait patiemment à inviter ses concitoyens au premier pilier de l'islam, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et qu'il en était le messager. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dis, lui Dieu est un, Dieu, l'impénétrable. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Plus il appelait son peuple à se soumettre au Dieu unique, plus les chefs des différentes tribus enrageaient. Quoi ? Dirent-ils. Il a fait de tous nos dieux un dieu unique. C'est une chose bien étrange. Ce qui les surprenait le plus était que ces nouveaux mots miraculeux, les versets du Coran, provenaient d'un homme qu'il savait être illettré. Jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait appris à lire ni à écrire. Peu d'Arabes en étaient capables à l'époque. Alors comment ces mots, à nul autre pareil quant à leur beauté et à leur agencement, pouvaient-ils sortir de sa bouche? Les chefs des Quraysh, la tribu la plus influente de la Mecque, devinrent de plus en plus excédés. Lors de l'une de leurs réunions, ils décidèrent de demander à Abu Talib, l'oncle et le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'essayer de stopper Muhammad dans sa mission, consistant à appeler les gens à se départir des coutumes et de la religion de leur père. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il fut très ému, car il éprouvait beaucoup d'amour et d'affection pour son oncle, mais sa réponse fut sereine et calme. Par Allah, s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai jamais ma mission, jusqu'à ce que Dieu me donne la victoire ou jusqu'à ma mort. Lentement, un par un,
Le nombre des musulmans augmentait, guidé par le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier groupe de croyants suivit le chemin de la vérité et de la soumission. Leur amour de la vérité resplendissait, illuminant la pâle société païenne de cette époque. La recherche des biens matériels, principal objectif et objet de toutes les ambitions ici-bas, avait été substituée par la recherche de la lumière et de la sagesse éternelle. Quiconque recherche le chemin de la connaissance, Dieu lui facilitera le chemin du paradis, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans furent l'objet de persécutions dès les premiers temps de l'islam. Ceux qui étaient pauvres, ceux qui avaient peu de moyens et pas de statut social souffrirent le plus cruellement. On riait et on se moquait d'eux. Et quand cela ne suffisait pas, les non-croyants avaient même recours à des attaques et à des tortures physiques. On leur jetait des pierres ou des ordures. Quelques centaines de musulmans réussirent à quitter la Mecque, abandonnant leur maison, cherchant refuge en Abyssinie voisine, terre chrétienne. Ceux qui restèrent subirent des persécutions de plus en plus violentes. Bilal, un esclave noir d'Abyssinie qui s'était converti à l'islam, fut ligoté sur le sable brûlant, sur l'ordre de son maître, tandis qu'on plaçait d'énormes pierres sur sa poitrine. « Où est ton Dieu maintenant ?» lui demandèrent-ils en se moquant de lui. Mais aucune torture ne pouvait ébranler sa foi. Jamais les croyants ne renonceraient à l'islam. Une nouvelle tactique fut mise en place par les chefs de la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons furent chassés et contraints de vivre dans un endroit isolé de la ville. Aucune provision ne leur parvenait, et ils eurent à souffrir de la faim et de la soif durant de longues périodes, ne mangeant presque rien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cet embargo commença pendant la 7e année de la révélation, et il dura 3 ans. Néanmoins, grâce à Dieu, quelques personnes de bonne volonté parmi les persécuteurs ne purent supporter davantage cette pratique inhumaine. La situation se modifia quelque peu et le ban fut finalement levé. Les gens purent à nouveau observer et écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un bel homme, de taille moyenne, les cheveux et la barbe noires. Ses dents brillaient quand il souriait, mais c'était surtout son caractère et sa conduite personnelle qui faisaient la plus grande impression. Ses paroles étaient toujours pleines de conseils et de sagesse. Les habitudes et les traditions des sociétés tribales d'Arabie furent ébranlées et reconsidérées à la lumière de l'incroyable esprit de ses enseignements. Il dit « Soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. » Un homme demanda, « Ô messager d'Allah, je peux l'aider s'il est juste, mais comment puis-je l'aider s'il est injuste ?» Il répondit, « Empêche-le de commettre l'injustice. C'est ainsi que s'exprimera ton aide à son égard. » La gentillesse et la miséricorde de la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient inégalables. Souvent, quand il passait près d'un groupe d'enfants, il caressait leur tête affectueusement et parfois même se mettait à jouer avec eux. Il dit « Il existe auprès de Dieu 100 de grâces, dont une seule est descendue parmi les djinns, l'humanité, les bêtes, les oiseaux et les insectes. Par cette grâce, ils tendent les uns vers les autres. Par elle, ils se témoignent mutuellement de la bonté
par elle encore, ils manifestent de l'affection aux plus jeunes parmi eux. Dieu s'est réservé pour lui 99 grâces, au moyen desquelles il manifestera sa bonté à ses servants le jour de la résurrection. Il accorda une place d'honneur à la femme, d'un bond. L'islam lui donna une place dans la société qui était inimaginable à l'époque, lui garantissant des droits et des libertés que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Le paradis se trouve au pied des mers, dit-il, mais la plupart persistaient toujours dans leur ignorance et continuaient à le repousser. Ce fut lors de la 10e année de la révélation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut le plus intense chagrin de sa vie. Son oncle, Abu Talib, qui l'encourageait et le protégeait, mourut. Ce deuil fut suivi de très près par le décès de sa chère épouse, Khadija. S'ajoutant encore à ce chagrin, le peuple de Taif, vers qui il était allé annoncer le message de l'islam, le repoussa sans état d'âme en lui lançant des pierres et en le blessant. Ce fut pendant cette période de difficulté extrême que fut accordé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand honneur de la part de son Seigneur le Très-Haut, le miraculeux voyage nocturne. Durant cette nuit très étrange, l'ange Gabriel vient trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le réveilla. Il l'invita à monter sur un animal nommé Al-Buraq. Aussitôt, il fut transporté à la vitesse de la lumière jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem. Là, en ce lieu sacré, au cœur de Jérusalem, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rencontra une assemblée de prophètes du passé, et il guida leurs prières communes. L'ange Gabriel le prit alors et le fit monter à travers les sept cieux pour qu'il soit témoin des mystères invisibles de l'univers et pour qu'il puisse contempler certains signes de Dieu. D'après la tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quand je pénétrai dans le ciel le plus bas, je vis un homme assis, alors que passaient devant lui les âmes des hommes et des femmes. À celle de sa droite, il sourit et dit « Une bonne âme, tirée d'un bon corps. » Et vis-à-vis de l'autre, sur sa gauche, il se renfrogna et dit « Une âme mauvaise, tiré d'un corps malsain. » Je dis, « Qui est-ce, ô Gabriel ?» Il répondit, « C'est Adam, et les personnes à sa droite et à sa gauche sont sa descendance. Ceux de la droite sont les gens du paradis, ceux de la gauche sont les gens de l'enfer. » Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monta avec l'ange Gabriel à travers les cieux successifs, rencontrant différents prophètes, Jésus, Jean, Joseph, Aaron, Moïse, que la paix soit sur eux, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le septième ciel. Il y avait un homme assis sur un trône à la porte de la demeure immortelle. « Je n'ai jamais vu un homme qui me ressemblait autant, » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « C'était mon père, Abraham. » Puis Gabriel apparut à nouveau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sa lumière et son angélique splendeur. Ils avaient atteint le jujubier de la plus extrême limite, au plus haut des cieux, le Sidrat al-Muntaha, entouré de mystérieuses couleurs, parfaitement indescriptibles. Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a,
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Le cœur n'a pas inventé ce qu'il a vu. Allez-vous donc élever des doutes sur ce qu'il voit ? Il l'a vu, en vérité, une autre fois. À côté du jujubier de la limite, auprès duquel se trouve le jardin de la demeure. Au moment où le jujubier était enveloppé par ce qui le couvrait, son regard ne dévia pas et ne fut pas abusé. Il a vu les plus grands signes de son Seigneur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'était élevé au zénith des sommets divins. Ce fut au cours de cette nuit d'élévation suprême du corps et de l'esprit qu'il reçut de Dieu, le Très-Haut, le second pilier de l'islam. Les cinq prières quotidiennes est quelque chose qui n'avait été donné à aucun prophète avant lui. Le monde entier, comme espace de prosternation et de prière pour tous les musulmans. C'était l'Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. À son retour, le lendemain matin, après avoir entendu le récit du miraculeux voyage, les incrédules profitèrent de cette occasion pour se moquer à nouveau de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'avaient traité de fou, de devin, de poète. Ils le traitèrent désormais de menteur. Les persécutions redoublèrent et la vie devint de plus en plus insupportable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils étaient constamment en danger et ils décidèrent donc de se préparer, dans la tranquillité, à quitter la Mecque. Une délégation de nouveaux convertis de la ville de Yathrib, située à environ 400 kilomètres de la Mecque, offrirent leur maison et souhaitaient la bienvenue à tous les musulmans qui désiraient vivre en sécurité dans leur ville. Ils voulaient tout particulièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène la paix dans leur ville, rongée par d'interminables querelles tribales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Ce fut ce qu'on appela la hijra, la migration, l'égir. Ce fut un moment décisif dans l'histoire de l'islam, celui du commencement du calendrier islamique, la naissance du premier état islamique, Yathrib, fut appelée la ville du prophète, Madinatun Nabi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, après 13 ans d'appel à l'islam et après avoir souffert amèrement de la persécution des mains des Arabes païens, quitta la Mecque en compagnie d'une communauté de musulmans et se rendit là où on lui avait offert la paix et la sécurité, la ville de Médine. Ainsi débuta la deuxième phase majeure de la mission et de la vie
de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devint le chef de l'État. Là, l'islam put s'épanouir et un nouvel ordre social naquit. Son socle fut la mosquée. Ce fut là également que se développa la vision islamique de la paix entre tous les peuples de la terre. Sans différence de foi ou de race, c'est là que prit forme effectivement la première constitution et charte des droits et des libertés humaines ayant jamais existé. Elle garantit à chaque citoyen la liberté, la sécurité et la justice. 1. La liberté de conscience et de culte pour les musulmans et les non-musulmans de la même façon. 2. La sécurité et la protection contre n'importe quelle menace ou attaque venant de l'extérieur. 3. La justice et l'abolition de tout crime et pratiques immorales. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont lutté dans le chemin de Dieu, ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secourus, ceux-là sont, en toute vérité, les croyants. Un pardon et une généreuse récompense les attendent. La caractéristique principale de cette nouvelle société était la charité. L'avidité et l'égoïsme furent remplacés par la compassion et le souci de toute créature vivante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Faire la justice entre deux personnes est une aumône. Assister un homme sur sa monture et lui monter ses bagages est une aumône. Répondre à une question avec douceur est une aumône. Enlever ce qui est un obstacle sur la route d'un homme, comme des épines ou des pierres, est une aumône. Sourire à ton frère est une aumône. » Un jour, un homme vint trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le supplia de lui donner quelques moutons. Il y en avait un grand nombre broutant entre deux collines. Il ordonna qu'ils lui furent entièrement donnés. Quand l'homme retourna à son village, il dit « Ô mon peuple, embrassez l'islam, car, par Dieu, Mohammed donne tellement, il ne craint pas la pauvreté. » Là, à Médine, deux autres importants piliers de l'islam furent établis. Il fut ordonné aux musulmans de payer la zakat, l'impôt social purificateur, demandé pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, et le jeûne du mois de Ramadan. Pendant cette période, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se remaria. Il était demandé par de nombreuses femmes. Mais, hormis Aïcha, la fille de Abu Bakr, ses épouses furent généralement des veuves de musulmans tués ou morts martyrs. Cependant, il garda toujours dans son cœur une place particulière pour Khadija, sa première femme, sa compagne tant chérie. Les environs de Médine étaient également peuplés de quelques tribus juives.
les musulmans ressentaient déjà une certaine affinité avec ces gens du livre, à qui l'arrivée d'un prophète était annoncée dans la Torah. Dieu avait dit à Moïse, « J'élèverai parmi leurs frères un prophète semblable à toi, et je mettrai mes mots dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je leur commande. » Qui donc étaient, dans l'Ancien Testament, les frères des fils d'Israël, si ce n'est les fils d'Ismaël? Qui d'autre aurait pu être le prophète semblable à Moïse? Qui donc lui ressemblait plus que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Et d'après les paroles de Jésus, la prophétie était aussi accomplie. Si je ne pars pas, le Paraclet, le Consolateur, ne pourra point venir à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous guidera vers la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il ne dira que ce qu'il entendra. Jusqu'à cette période, les musulmans avaient toujours prié dans la même direction que les gens du livre, faisant face à la ville sacrée de Jérusalem. Il fut désormais demandé aux croyants de se tourner dans la direction de la mosquée sacrée de la Mecque, la Kaaba. Ce changement historique, quant à la direction de la prière, fut le symbole de la distinction et de l'honneur octroyé à la nouvelle communauté des musulmans, la Oumma. Les musulmans revenant à la foi originelle d'Abraham se tournaient naturellement vers la première maison que celui-ci construisit pour Dieu. Non seulement les gens du livre furent mécontents de ce changement, mais également les chefs mécois. Ils étaient toujours déterminés à éliminer la nouvelle communauté musulmane, et ils préparaient une attaque contre Médine. Cette fois, enfin, après des années de persécution et de torture, Dieu leur donna la permission de se défendre. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Le résultat fut la bataille de Badr, qui eut lieu durant la deuxième année de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan. L'armée mécoise, forte de 1000 hommes, trois fois plus que son adversaire, attaqua la petite armée des musulmans. Mais, par la volonté divine, l'issue fut une spectaculaire victoire des musulmans. Quelques chefs mécois, qui avaient persécuté les musulmans, furent tués. D'autres furent faits prisonniers et rachetés à bon prix. Pour la première fois de l'histoire, les prisonniers de guerre furent nourris et protégés, à l'égal de leurs ravisseurs, et traités avec humanité. Cette bataille fut décisive. La force et le courage des croyants choqua les Mécois et leurs alliés, bien qu'ils persistaient à vouloir détruire l'islam. Bataille après bataille, les musulmans prouvèrent qu'ils pouvaient résister à toutes les attaques. Cependant, ils échappèrent de justesse à une défaite l'année suivante, lors de la bataille de Uhud. Ce qui donna aux Quraysh l'idée de les attaquer et de les exterminer une fois pour toutes. Ces derniers complotèrent avec certains bédouins, certaines tribus juives ainsi que quelques hypocrites vivants à l'intérieur même de Médine. Ce
fut donc pendant la cinquième année de l'Hégire qu'une armée de plus de 10 000 hommes se dirigea sur Médine. Mais les musulmans étaient prêts à se défendre. Sur les conseils de Salman le Persan, ils avaient creusé de larges fossés autour de la ville. Le prophète lui-même participa aux préparatifs, et tandis qu'il creusait, il chantait ce refrain. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا Après un long mois de siège, les Mécois étaient toujours incapables de pénétrer dans la ville et commencèrent à s'impatienter. Petit à petit, la méfiance commença à se répandre parmi les forces alliées. Suite aux querelles internes et aux conditions météorologiques difficiles, ils finirent par plier leurs tentes et ils se retirèrent. Ce fut une grande victoire pour l'islam. Médine ne fut plus jamais attaquée. L'année qui suivit, la sixième après l'Hégire, une trêve fut décrétée entre les Mécois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que les termes du traité furent nettement en faveur des Quraysh, ce fut encore une victoire pour l'islam. On l'appela le traité d'Al-Hudaybiyyah. La période de paix qui s'ensuivit fut la chance pour de nombreux non-musulmans de voir par eux-mêmes les bienfaits du mode de vie islamique. Ainsi, un très grand nombre de Mécois et des membres de différentes tribus embrassèrent l'islam. Un jour, un homme aux cheveux ébouriffés, venant d'une région lointaine, vint trouver le messager et le questionna au sujet de l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tu dois prier 5 fois par jour. » L'homme demanda « Est-ce tout ?» Le prophète répondit « Oui, mais si tu désires accomplir des prières supplémentaires, tu le peux. » Il continua « Tu dois jeûner pendant le mois de Ramadan. » L'homme demanda « Ne dois-je pas jeûner davantage ?» Le prophète répondit « Non. » Mais tu peux, si tu le désires, ajouter des jours de jeûne volontaire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, tu dois payer la zakat, l'impôt social purificateur. L'homme dit, y a-t-il autre chose que la zakat que je doive payer? L'envoyé dit, non. À moins que tu ne veuilles offrir des aumônes de ton propre chef. Alors l'homme dit, par Dieu, je ne ferai ni plus ni moins que cela. Le prophète conclut, si cet homme dit vrai, il obtiendra le succès. Durant cette période, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya des lettres à de nombreux gouverneurs, dont les empereurs des 2 superpuissances de l'époque, la Perse et Byzance, en les invitant à l'islam. L'empereur Héraclius était sur la route de Jérusalem quand il reçut la lettre portant le sceau du prophète. Il lut. De la part de Muhammad, messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance. Paix soit sur celui qui suit la vraie voie. Je t'invite à l'islam. Accepte-le et tu auras la paix et la prospérité, et Dieu t'offrira une double récompense. Si tu le rejettes, les péchés de tes sujets seront à ta charge. » Et la lettre se terminait par un verset du Coran. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu, nous ne lui associons rien. Nul parmi nous ne se donne de Seigneur en dehors de Dieu. S'ils se détournent, dites-leur, attestez que nous sommes vraiment soumis. Bien que l'empereur reconnût qu'il s'agissait bien du prophète annoncé par les Écritures, il se sentit contraint, par loyauté envers ses chefs et ses courtisans, de rejeter le message. Et ainsi, tristement, les vents de la destinée soufflèrent et accomplirent la prédiction. La bonne nouvelle fut ignorée, et les mots du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réalisèrent. Pendant ce temps en Arabie, la force de l'islam croissait rapidement. 2 ans après la trêve conclue avec les Mekwas, dont les termes étaient constamment violés par les Quraysh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de marcher sur la Mecque avec une armée forte d'environ 10 000 hommes. Ce qui se passa alors fut un miracle sans précédent et un fait remarquable dans l'histoire des conquêtes religieuses. Le prophète, salawat Rabbi alayhi wa sallam, s'empara de la ville sans qu'une goutte de sang ne soit pratiquement versée. Il passa la porte de la ville sur son chameau, la tête baissée en signe d'humilité, tandis que tous ses ennemis le regardaient. À leur grand étonnement, il pardonna à tous ceux qui furent les plus grands ennemis de l'islam, et annonça une amnistie générale. Ce fut le jour de la victoire, et le dernier chapitre de la vie du prophète allait commencer. Ainsi se termina la conquête de la Mecque. Les ennemis de l'islam s'étaient rendus et ils furent gracieusement pardonnés. Témoins de cette clémence et de la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la Mecque embrassèrent l'islam sans contrainte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans l'enceinte de la Kaaba où se trouvaient les 360 idoles et statues représentant les faux dieux devant lesquels les Arabes se prosternaient et qu'ils adoraient depuis longtemps. Une par une, sur l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les idoles furent détruites. Ceci mit fin au symbole de l'idolâtrie dans la péninsule arabique. Enfin, la Kaaba, érigée par le prophète Abraham et son premier fils Ismaël, fut purifiée et dédiée à l'adoration du Dieu uni, Allah, le Seigneur des mondes. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la direction, la religion vraie,
pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit des polythéistes. Cela faisait maintenant 21 ans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait commencé à appeler l'humanité à reconnaître le Dieu unique et que la révélation avait commencé. La mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parvenait à son terme. Il s'installa à Médine, qui désormais devint la capitale du nouveau monde musulman. Des délégations venant de l'Arabie entière venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam. De plus, il envoya des groupes de croyants dans différents pays et différentes provinces, invitant leurs habitants à l'islam. Pourtant, à la tête de toute l'Arabie et des contrées environnantes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continua de vivre comme un humble serviteur de Dieu. Il avait l'habitude de réparer ses propres chaussures, de coudre ses vêtements et de servir sa famille comme n'importe quelle autre personne. Cela se passait au 7e siècle, 10 ans après l'Hégire. Le prophète, salawat Rabbi alayhi wa sallam, se rapprochait de la fin de sa vie sur terre. Ce fut l'année pendant laquelle il accomplit le pèlerinage, al-Hajj, le 5e et dernier pilier de l'islam. Sous un soleil de plomb, sur les plaines de Arafa, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam délivra son dernier serment. Ô gens, écoutez attentivement mes paroles et comprenez, car je ne sais pas si je pourrai vous rencontrer en cet endroit, passé cette année. Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur doivent être choses sacrées, de même que ce jour sacré, en ce mois sacré et en ce territoire sacré, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Vous allez indubitablement rencontrer votre Seigneur et vous serez interrogé à propos de vos actes. Soyez donc vigilants. Vous ai-je donc fait parvenir fidèlement le message? Ô Dieu, sois témoin. Quiconque reçoit un dépôt, qu'il le rende à celui qui le lui avait confié. Ne retirez aucun intérêt de l'argent prêté comme on faisait au temps de l'ignorance. Mais vous avez le droit sur vos capitaux. Ne soyez ni oppresseurs, ni opprimés. Et le droit du sang du temps de l'ignorance est supprimé, et ces meurtres ne seront plus vengés. Ô gens, le diable a perdu tout espoir d'être adoré sur l'une de vos terres. Néanmoins, il cherchera à vous tromper au sujet de vos petites affaires. Soyez donc vigilants à son égard pour la sécurité de votre religion. Vous ai-je délivré fidèlement le message? Ô Dieu, sois témoin. En vérité, le temps est revenu à sa condition initiale, dans laquelle Dieu l'avait créé, le jour où il créa les cieux et la terre. Le nombre des mois pour Dieu est 12. Parmi eux, 4 sont sacrés durant lesquels la guerre et les combats sont interdits. Ô gens, vos femmes ont un droit sur vous, et vous avez aussi un droit sur elles. Traitez les femmes avec douceur. Elles sont vos partenaires et vos soutiens engagés. Vous les avez prises comme un dépôt de Dieu, et leur plaisir vous est licite par une permission de Dieu. Soyez donc pieux en ce qui concerne les femmes, et veillez à leur vouloir du bien. Ai-je fait parvenir le message? Ô Dieu, sois témoin. Ô gens, j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, une orientation bien claire,
le livre de Dieu et la tradition de son prophète. Ô Jean, tout croyant doit être un véritable frère pour tout autre croyant. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf s'il consent à en donner de bon gré. Ne vous trompez pas les uns les autres. Sur quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leva son index vers le ciel, puis en direction de la foule et s'exclama « Ô Dieu, sois témoin. Ô Dieu, sois témoin. » Et il ajouta « Que les présents fassent parvenir ce message aux absents. » C'est alors que quelques-uns des derniers mots du Coran furent révélés. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Aujourd'hui j'ai parfait pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous ma grâce. Et j'ai choisi l'islam comme étant votre religion. Quelques mois plus tard, à l'âge de 63 ans, Dieu le Très-Haut rappela son âme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourut dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds, mais sans un dinar à son nom. L'esprit de son message demeure aujourd'hui aussi clair et vivant que lorsqu'il fut délivré, tellement que l'être humain peut être le témoin du miracle de sa vie et de sa mission, de la beauté et de la perfection de son appel. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Muhammad est le messager de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin al-Mustafa. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين